qualité d'un liner, ça va être son indépendance. Donc les capacités d'eau et les capacités électriques qui vont être sur mesure à la demande du client et qui vont permettre de rester le temps voulu sur place sans avoir les contraintes de vidanger ou de faire le plein d'eau ou de se brancher électriquement. Donc on va avoir une autonomie d'à peu près une semaine sans être branché et à l'endroit choisi. De série sur un liner, on a 320 litres d'eau propre. Et ce réservoir peut être modifié selon la construction jusqu'à 600 litres d'eau propre. Sur les liners, nous serons sur les bases de Mercedes Atego. Donc ce sera un 15 tonnes, 300 chevaux et généralement avec des garages voitures. Le garage voiture, c'est aussi une des différences qu'il y aura avec les véhicules un peu plus classiques, c'est-à-dire qu'on a la dépendance dans le camping-car. Donc on se garera un petit peu plus loin des villes et on aura ce plaisir de sortir la voiture pour aller sillonner à l'intérieur des centres-villes. Donc on verra beaucoup plus de choses avec un gros véhicule qu'avec un petit véhicule. Alors le luxe finalement dans un camping-car, ça va être tout ce qui est invisible. Pour nous, le confort, c'est de pouvoir être à 20-25 degrés dans un camping-car, même si on est au sport d'hiver. Les finitions, de ne rien avoir qui dépasse, d'avoir du matériel qualitatif, le véhicule dans 5 ans, va être pas comme neuf, mais en tout cas, rien n'aura bougé. Les châssis, d'avoir un gros châssis aussi, un châssis camion. On sait que les châssis camions vont faire 1 million de kilomètres, alors que le camping-car va pas faire longtemps. Donc il est important pour nous d'avoir cette construction à l'intérieur qui est aussi qualitative que le châssis, et donc d'avoir des véhicules qui peuvent vieillir 10 ans, 20 ans sans aucun problème. On a une clientèle très large sur ce type de véhicule. Nous aurons dans un premier temps des jeunes retraités qui ont beaucoup travaillé et ont fait le choix non pas d'une maison secondaire ou d'un appartement, mais d'un camping-car pour pouvoir continuer à voyager et profiter de ces premiers instants de retraite. Ensuite, on aura des retraités un petit peu plus confirmés qui ont déjà eu plusieurs camping-cars et qui veulent comme dernier camping-car vraiment le summum, exactement le dernier gros plaisir en disant c'est notre dernier camping-car et on se fait le gros kiff, si je peux dire. Et on aura ensuite une clientèle un petit peu plus restreinte de personnes encore actives, qui travaillent beaucoup encore, mais qui ont besoin de décompresser et de partir le plus souvent possible. Donc ce camping-car-là, c'est la maison secondaire, mais qui est prête à partir et qui ira où on veut, quand on veut, et surtout quand on peut.